In their tongue, he's Dovahkiin. Dragon Ball! Come get some! Salut, 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 c'est Come Get Some et bienvenue sur Fable Edition Anniversary. Au programme aujourd'hui de ce deuxième épisode, retour avec notre héros qui a grandi. Souvenez-vous, au dernier épisode, le premier, nous avions donc passé de l'âge enfant à l'âge ado. Et on ne se refait pas. Voilà. C'est pour vous souhaiter la bienvenue. Alors, on est parti pour une petite voire grosse demi-heure. Le but étant, bien sûr, écoutez, d'aller faire des missions. Est-ce qu'on peut fouiller ? On peut fouiller. Voilà, rien de particulier. On va descendre. On voit qu'on a une mission en bas là. Alors la caméra, je suis pas fan par contre, hein. Ça réagit pas très très bien. C'est pas hyper ouf niveau cam. C'est pas grave. On va faire avec. Ce que j'aimerais par contre, c'est savoir courir. Sauf que je ne sais pas. Ah si. D'accord, j'ai compris comment courir. Je l'ai fait en 50 secondes et personne n'a fait mieux. Si je n'avais pas cette blessure à la jambe, je ferais mieux. Encore vous ? Bah oui, j'ai même pas fini. Allez jusqu'à la porte démoniaque. Aucune chance, je suis l'apprenti le plus rapide de la guilde. Allez, on va voir si on est plus rapide que lui. Mais attends, ça a pas lancé là, non ? Ça a pas lancé là. Attends gros, ça a pas lancé. Merde, j'étais parti trop vite là. J'ai fait un faux départ. Vous êtes le plus arrogant, c'est sûr. Je suis le plus... Vous n'êtes même pas allé jusqu'à la porte. Mais... Encore vous ? Allez jusqu'à la porte des... Mais il n'y a pas non, de... Pas ah si, tout. D'accord, j'avais pas vu. Attendez, on va essayer de faire vite. Mais à mon avis, 50 secondes, c'est mort. Hein. Je vois pas comment on peut faire. Hein. En plus, il faut que j'aille... Enfin, voilà quoi. Ta voix et son se... Non mais... Vous m'avez piégé. Est-ce que c'est possible en vrai? Je sais pas, hein. 15 secondes là, 10 secondes pour y aller et pour revenir, je crois que c'est mort, hein. En plus, je sais pas s'il fallait lui parler ou pas. Ah, ça va être short. Ça va être short, c'est dommage. Oui, secondes tout près. À fait. Vous êtes plus lent que ma grand-mère. Ah, vas-y. Non, pas du tout. Non, mais je pense que j'ai encore perdu. Encore vous? J'ai perdu du temps. Allez jusqu'à la porte. Ouais. Ah, tout à fait. Putain, j'ai perdu tout ça encore. Attends, on va y arriver cette fois-ci. Je vous montrerai que le bon essai, évidemment. Ne me gênez pas. En plus, il n'y a pas d'endroit exact où il faut que je m'arrête. Parce qu'ils sont gentils, eux, mais... J'allais parler à la porte, il faut que je... Je sais pas, moi. Je parte. Là, j'ai touché. En vrai, je sais pas. Hein. En vrai, je sais pas. 10 secondes pour revenir. Ah, et ça peut le faire. S'il le valide, évidemment. Non, pas du tout. Incroyable. Ah, comment bah, avez-vous bon. Fait? J'ai perdu. Ok, très bien. Et sinon, c'était tout. Je gagne rien, non? À part le plaisir de te faire fermer ta grande bouche, hein. Visiblement, je ne gagne rien. Bon, moi, j'ai compris comment courir. C'est déjà pas mal. Visiblement, on peut aussi monter et aller parler à quelqu'un. Peu importe la durée du périple, il faut protéger l'oracle à tout prix. Qu'en savez-vous? Vous serez peut-être plus utile ici. Qui sait quels combats nous attendent? Les signes sont manifestes, et les terres désolées sont restées trop longtemps isolées de la guilde. Je pourrais en apprendre beaucoup là-bas. Eh bien, j'espère au moins que personne ne pensera que vous fuyez le combat. La rumeur va bon train, vous savez. Cela ne m'importe guère. Ouais, vu ta gueule, je... Que la mort vous épargne, Maz.
Qu'est-ce que vous attendez ? Entrez. Ah, comment il a su ? Faux. C'était un grand héros jadis quand il avait de la chair sur les os et du sang dans les veines. J'ai rien dit, pourquoi ce n'est plus qu'une enveloppe vide. Que c'est-il des choix que nous devons faire et des sacrifices à réaliser ? Ouais, très bien. Et après ? Tu dois faire tes rapports au... pour savoir où ils... Ouais, ok. Ça marche. Y a pas des trucs que je peux looter ici ? Y a des trucs que je peux looter, non ? Ou pas ? Attendez, on va regarder. Histoire de la guilde. Ouais. Soit. Et du coup, Y, c'est quoi ? Résumé... Ouais, ok. Ok, un livre, très bien. Ça va pas me servir à grand chose. Est-ce que je pourrais le vendre peut-être plus tard ? Je ne sais pas. On verra. Bon, il est temps d'aller faire le rapport. Ça vous embouche à coin, hein ? Au maître de la guilde. On va essayer de courir un peu. Il y a un autre point vert aussi dans le château, le châtelet qui est là-bas. Est-ce qu'on pourrait pas y aller ? On va voir. Peut-être qu'on a quelque chose, une petite mission supplémentaire. Qui nous ferait gagner de l'expérience, ce serait pas mal. Regardez. Écoutez, salut. Je dois faire une tarte aux pommes pour le maître de la guilde à la fin de la semaine. Ouais. Mais je n'arrive plus à trouver de pommes rouges. Si vous en trouvez. Ok. Ouais, pas de soucis. Il va falloir que j'aille dans la forêt, à mon avis. Hein. On va retourner dans la forêt. Mais d'abord, je vais faire mon rapport au maître de la guilde. On va voir ce qu'il me dit. C'est sans doute en mode tuto, vu où il se trouve. Encore une fois. Encore en retard. Vous... Laissez votre bâton de côté. Nous commençons l'entraînement à armes réelles. Ah, là tu me parles. Habituez-vous au poids de cette épée. Et essayez de toucher Whisper avec. Essayez de tuer Whisper avec. Mais bien sûr. Dégâts 30. À l'heure actuelle, 150. Donc ça fait plus 10 de dégâts. Allez, voyons de quoi tu es capable, fermier. Elle a un bâton. Je vais te massacrer. Attendez. Tu ne peux pas faire mieux. Soyez attentif. Ce que je vais vous apprendre pourrait vous sauver la vie un jour. La vie d'un héros est dangereuse. Vous devez apprendre à bloquer les attaques de vos ennemis si vous voulez vivre longtemps. Whisper va vous attaquer, mais vous pouvez bloquer ses coups avec votre arme. Tous les coups ne sont pas parables, mais vous devriez pouvoir bloquer toutes les attaques de Whisper. J'ai progressé. Bouton central. Très bien. Ah, vas-y, viens. Merde. Allez, viens. Attends un peu. Allez, viens. Ok. Allez, attaque, j'ai pas toute la nuit. Attends un peu. Ok. Bien. Voyons si vous pouvez combiner attaque et défense. C'est quoi ce mec derrière ? Regardez-moi le monstre qu'il y a derrière là. Bonjour, Tonnerre. Vous êtes venu voir les progrès de votre sœur ? Oh, le machin, l'armoire à glace, quoi. On peut dire ça. Whisper m'a dit qu'elle s'entraînait avec un fermier. Dans tous les jeux. Maz pense qu'il possède un grand potentiel. De taille à faire face à ma petite sœur ? Nous allons voir. Whisper et le garçon s'entraînent à la mêlée en ce moment. Voyons lequel des deux a le plus appris de son entraînement. Ou Farkas. Tous les coups sont permis, comme pour l'examen final de mêlée. Préparez-vous. Très bien. Allez, vas-y, attaque. Oh, putain. Tiens. Vas-y, attaque. Comment as-tu parlé ça? Ah, t'as de la chance en vrai. Allez, esquive, allez, bim. Ça ne va pas du tout, Whisper. Tu dois travailler plus. Exactement. Vous ne m'avez jamais vu dans l'arène. Dommage, vous auriez appris un truc ou deux. Continuez l'entraînement si vous voulez y aller un jour. Ouais, bah écoute. Sans votre intervention, je l'aurais bien battu. Nous manquons déjà cruellement de héros.
Il est inutile de vous étriper ainsi à l'entraînement. Elle avait un bâton, j'avais une épée quand même. Parlez-moi pour passer à la prochaine étape de l'entraînement. Ah, très bien ça. Je serai sur le champ de tir. Alors, et au sujet de votre performance? Bien. Continuez à combattre comme ça et vous irez loin. Voilà. J'ai les maraves, Whisper. Non. Retrouvez-moi ensuite au champ de tir pour poursuivre votre entraînement. Ok, très bien. On gagne des points de force, des trucs comme ça. Ah, maître, on entraîne de beaux jeunes hommes. Attendez, je vois quelqu'un qui arrive là-bas. C'était qui? Je pourrais noter votre aptitude en mêlée une fois. Ok, je peux pas le combattre pour le moment, très bien. Bah écoutez, on va faire ça. Êtes-vous prêt pour votre... Continuons l'entraînement avec l'arc. Alors, un arc. Commençons par voir si vous pouvez toucher les trois cibles immobiles. Et mettez-y de la force. Plus vous tendez la corde de l'arc, plus vous infligez de dégâts. Oui, ce qui paraît logique. Attention à bien rester dans le cercle. Alors, de où est la cible? Ok. Ok, ça marche. Alors, on va prendre... Ensuite, verrouillez la cible. Ok. Et là, du coup, ça vise tout seul. Ok. Ensuite, verrouillez la cible. C'est pas si dur pour le moment. S'il vise tout seul et que j'ai pas besoin de viser, hein, regardez, je fais rien du tout, il vise tout seul. Bravo ! Vous avez touché toutes les cibles. Mais les ennemis ne restent pas immobiles. Passons maintenant à des cibles mouvantes. Vous avez une minute pour faire le maximum de points. D'accord. La cible de devant vaut 1 point. Celle du milieu en vaut 3. Et la cible de derrière rapporte 9 points. D'accord. Souvenez-vous, plus vous tendez la corde de l'arc, plus votre tir inflige de dégâts. Plus de dégâts égale plus de points. Mais il faut doser puissance, précision vas-y, et cadence de tir. Déroule là. Voyons ce que vous valez. On va essayer. On peut passer en vue première personne. D'accord. Allez, gars, sortez votre arc. Ok. C'est l'autre que je veux. Pas évident, hein. Derrière, on est bien, je pense. Je vais juste arriver à la toucher, quoi. Ah ouais, mais attends. Parce que si tu la touches pas aussi, mon petit gars, comment je fais, moi? Hein? Comment je fais, là? Parce que là, je vise rien du tout, là. Il est complètement en retard. Ok. Il a dit qu'on pouvait passer en vue première personne, là. J'essaye de... Bon, ça, pas de problème, on est d'accord. J'ai du mal à... Pas trop bien. Pratiquez encore. Ouais, ça va. Il fallait que je fasse combien, là, aussi? Non, je m'en fous. Nous verrons ensuite la voie de la volonté. Je m'en fous un peu, je pratiquerai dans la nature. Parlez-moi quand vous serez prêt à continuer l'entraînement. Je serai sur l'île près des cascades. Ok, ça marche. Alors, on a encore du monde là-bas. Y a-t-il des apprentis pour un entraînement de mêlée? C'est le dernier jour. Ce combat en mêlée contre Whisper compte donc. Ouais. Allez, Whisper et vous, j'ai un prix spécial pour vous. Ah ouais, donc la pression directe, hein. Je vais te dégommer, Whisper. Vas-y, viens. Je fais quoi, là? Je vais te dégommer, je te jure, je vais te dégommer. Ah, la pute! Aïe, tu ne peux pas faire mieux? Tiens! Il va passer dans son dos.
comme ça. Voilà. C'est bon, vous pouvez arrêter. C'était très impressionnant. Whisper sera vexé. A plus. A plus. À ce niveau, je peux vous offrir une nouvelle. Ah ben voilà. C'est ça qu'on veut. Vas-y, elle fait combien celle-là? Plus 2. Bah écoutez, évidemment, je vais prendre un. Quelle leçon pour Whisper? Du coup, alors attendez. Les objets, c'est comment déjà? Je regarde l'inventaire. C'est comment on fait pour consulter l'inventaire? Ne quittez pas. Alors, l'inventaire. Équipement. Pas de gants, rien du tout. On a que dalle. Par contre, on a des armes. Et ça, ça c'est important. On va s'équiper de ça. Voilà. Très bien. Ensuite, des pommes. Les pommes, il fallait en rapporter combien déjà? Attendez, on va regarder la quête. Il y a des petites quêtes là. La quête de la meuf là. À moins que. Ouais, bon, écoutez. Pas très grave. Y a-t-il des apprentis pour une évaluation au tir à l'arc? Non, je suis mauvais là par contre. Je suis mauvais au tir à l'arc, tu sais. Attendez, faudrait que je vois comment est-ce qu'on passe. Y a-t-il des apprentis pour une évaluation au tir à l'arc? Non, je suis trop mauvais. Laisse tomber. Il y avait un truc là pour tirer en première personne. C'est superbe. Y a-t-il des apprentis pour une évaluation au tir à l'arc? Quand je le verrouille de loin là, il me le prend pas. Là, il me l'a pris, très bien. Mais non, je veux pas de, je ne veux pas d'évaluation parce que je vais foirer. Par contre, ce que j'aurais voulu, c'est faire sa petite mission là. Je me demande, je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit là. Il faut combien de pommes là? Surtout, est-ce que je vais trouver les pommes? M'avez-vous dégoté ces pommes? Encore une autre pomme. Plus que 3. Ah. Ok. 3 pommes. Ça marche. Je viens de lui refiler, on est d'accord. Hein. Est-ce que je peux me barrer dans la forêt? Y a-t-il des apprentis pour une évaluation au tir à l'arc? Sans doute que je peux me barrer dans la forêt, je trouverai peut-être des pommes. Bon, s'il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de pommes. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Quelle leçon pour Whisper? Il y a un mec là-bas aussi, attendez. Je voudrais aller voir. J'essaie de faire ce qui est secondaire un petit peu, mais il y a peut-être moyen de trouver... Ah, satanés oiseaux, quelqu'un peut... Il me faut quelqu'un pour tuer les moineaux qui nichent dans la guilde. Quoi? Les sales petites vermines. Mais les pauvres oiseaux! Ces maudits moineaux sèment la pagaille dans la guilde. Regardez-les. Mais ils font rien. Je vous paierai 5 pièces d'or par mouette tuée. Venez me voir à chaque fois que vous tuerez une maudite mouette. Ça, c'est une mouette, ça? Bah, écoute, on va essayer, hein. Non, je vais essayer de tuer des mouettes. Enfin, des mouettes, des oiseaux, quoi. On va voir si t'es précis. Non, tu l'es pas. Incroyable! Ah, c'est une mauvaise action! Ah, bah oui! C'est une mauvaise action! Étonnant! Bah écoutez, moi ça me fait des pièces d'or. Hein. Par contre, faut que je les trouve les oiseaux là. Perso, je m'en fous, hein. Ça fait de l'or. Hein. Je suis sans foi ni loi. Ah, j'en ai vu un. Regardez-moi ça comme il est loin. On va voir si ça passe d'ici. Oh la
là, incroyable. Incroyable. Vas-y, je vais gagner 10 pièces d'or, là. Vous avez tué l'un de ces animaux? Bien sûr. Bien. Il y en a encore d'autres. Oh, 105 pièces d'or. Ah ouais. Pas mal. Gros, oh, t'as pas des... Oui, pour t'as pas servir. Des pommes. Ah bah voilà, regardez. On peut les acheter en plus, on a de la thune. Donc on va en acheter le maximum. Voilà, très bien. Les prix varient d'une échoppe à l'autre, vous savez. Parfait, c'est parfait ça. Comment gagner de l'or? On bute des oiseaux, ou pas, on récupère la thune et on finit les quêtes avec la thune. Voilà. Ça c'est parfait, on va valider ça. Ça fera peut-être une bonne action pour compenser. Hein. Ça en sera pas trop méchant. M'avez-vous déjà trouvé d'autres pommes? Bien sûr. Vous n'avez pas de pommes pour moi. Quoi? Mais je viens d'en acheter. C'est quoi ça? Attends. Regarde, c'est quoi ça? C'est pas des pommes ça? Attends. C'est pas des pommes ça? C'est pas des pommes ça? Vous n'avez pas de pommes pour moi. Connasse. Connasse, va. M'avez-vous déjà trouvé d'autres pommes? Saleté, va. Tiens! Sartip. Bien fait. C'est bien fait. Ça, c'est des pommes. Depuis quand c'est pas des pommes? Y a-t-il des apprentis pour une évaluation? Je ramène des pommes vertes, l'autre, elle est pas contente. Quelle leçon pour Whisper. La pauvre, ils arrêtent plus de lui rappeler qu'elle est nulle. Il nous reste la volonté. Ouais, vas-y. Va pour le Vous volonté. Allez apprendre les pouvoirs de volonté. Frappez ces mannequins avec la foudre. Voyons ce que vous savez faire. Mâche gauche pour accéder à vos pouvoirs de volonté. Très bien. Mâche gauche. Bien. Ah ouais. C'est ça. Voyons combien vous en touchez en 30 secondes. Et ça se recharge, ça se N'attaquez que les mannequins qui sont tournés vers le centre de l'île. Vous ne marquerez pas de points en les touchant derrière. Vous perdrez seulement du mana. Ah, du mana, d'accord. Les pouvoirs de volonté consomment du mana, qui se régénère progressivement. Ouais, très bien. Ok. Comment j'arrive à faire les deux en même temps, mais ça marche bien. Est-ce qu'on peut faire les trois, ça se trouve? Excellent usage de la magie. Ok. Non, c'est bon. On peut continuer, Très bien. Mon gars. Vous avez appris les trois disciplines de héros. La baston, nous pouvons maintenant passer au test final, si vous êtes prêts. Et vous la pouvez magie. Aussi explorer davantage la guilde. Je crois que Whisper compte aller dans les bois de la guilde si vous souhaitez la rejoindre. Allez, vas-y, je vais la rejoindre. Je serai dans la salle de la carte quand vous serez prêt à poursuivre. Ok. Alors. Et toi, du coup, je me suis pas attardé sur toi, là. Voix est sombre. Seule une lumière la révélera. D'accord. Ok, si tu veux. Si tu veux, mon gars, alors. Toi, t'as rien à me dire. Toi, je sens que t'as quelque chose à me dire. Laissez-moi atteindre la zone de vol. D'accord. Peut-être que tu peux me filer un truc alors, ça veut dire. Peut-être que tu peux me filer un truc. Alors, dans ce cas, on va l'attendre. Parce que là, je vois bien le truc de... On va pouvoir balancer des pouvoirs. Qu'est-ce que tu fais, toi? Vas-y, dépêche, gros. J'ai pas toute la journée. Je n'ai pas toute la journée. Quelqu'un pour un entraînement de volonté? Vas-y. Moi.
Vous avez 30 secondes à partir du premier éclair pour... Vous savez qu'un A+... D'accord, d'accord, ok. Les mesures sont prises si vous... Putain, mais il reste pas là aussi. Oui, mais il reste devant. Il reste devant, cet abruti. Tu auras de gros ennuis si tu attaques les gens comme ça. Il avait qu'à pas rester sur le champ de tir aussi. Nous avons été très patients avec toi. Alors arrête. Alors arrête. Tu peux être renvoyé de la guilde pour mauvais comportement, tu sais. Non, je veux pas. Arrête de faire l'idiot. Mais c'est pas de ma faute. Je contrôle pas mes pouvoirs. C'est de sa faute à lui, là. Il était devant aussi. Il se fout devant les cibles, cet abruti. Attendez, j'y suis pour rien, moi. À un moment, faut être sérieux que ce... Putain, comment les mecs, je gagne toujours les compétitions de la guilde. Je peux pas gagner de la thune, là. Ah, regardez, regardez, regardez. C'est parfait, ça. Ah, c'est ça qu'il faut. Voilà, hop là. Oh, il y en a un deuxième. Incroyable, ça va me faire gagner des thunes. Troisième. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je l'ai buté. Incroyable. Attendez. Il y a un truc pour récupérer le... Je me rappelle plus comment c'est. C'est comment pour récupérer cette putain de truc là, cette putain d'expérience. C'est comme ça, mais l'autre elle veut pas venir. Elle refuse de venir l'autre. Tant pis. Tant pis, bon, j'avais la bonne touche, mais elle refuse de venir, c'est pas grave. Voilà. Écoutez, ça fait de la thune. Je suis preneur et de l'expérience. Et je suis preneur aussi. Vous en avez tué d'autres ou pas? Bah oui. Bien. Il y en a encore d'autres. 105. Très bien. Très bien. Et bon, attendez, j'y retourne, moi. J'espère que l'autre, il s'est pas foutu devant, là. Franchement, c'est pas de ma faute, hein. Le mec, quelqu'un il reste devant. Quelqu'un pour aussi, un entraînement de volonté? Oui, moi. Moi! Vous avez 30 secondes, ouais, vous ouais, savez ouais, que... Ouais, ouais, c'est bon. J'ai compris. Ok, c'est ce qui me semblait. Il faut être... bien placé. Mal. Allez, allez. Incroyable, bon sang de bois, ça vaut ça. Pas plus. Le maître de la guilde a dit de remettre ses objets au meilleur de l'épreuve de volonté. Oh, potion de volonté, et ça sert à quoi? Qui accroît la volonté, tout simplement. Fiole de résurrection, ah bah ça, ouais, c'est pas mal. Je n'ai toujours pas vu de meilleur concurrent que vous. Ouais, ouais, très bien. Très bien. Ah, le mana, c'est la barre bleue qui est en haut. Quelle leçon pour Whisper. À chaque fois, il lui remet dans la gueule. Bon, bah tiens, tu vas aller faire joujou dans la forêt, Whisper, à ce qui paraît. Allons chasser des scarabées. Ouais, vas-y. Allez, on y va. Allons chasser des scarabées. Pour la fin de cette vidéo. Le nid de scarabée est au sommet de... Attends. Tu as entendu ? Ça vient de par là. Des bandits. Si seulement on pouvait passer cette rivière. Ah. Je sais. Si tu utilisais ton arc, ou la foudre que le maître de la guilde t'a enseignée, je te soignerais si tu es blessé. Ok. Attends, regarde. Il vise l'enfoiré, il vise l'enfoiré. Mais je vais te dire, je vais t'avoir avant. Allez hop. Je sais pas ce qu'il fait là-bas. Putain, il s'est pas visé l'autre, hein. Allez hop, c'est parti, c'est parfait. Bien joué, on a réussi. Tu as vu leur tête? Bah ils sont juste morts. Attends un peu que le maître de la guilde apprenne ça. Attends qu'on a tué trois mecs. Attendre de lui dire qu'on a tué trois mecs. D'accord, c'était ça donc à les jouer. Je peux pas les looter du coup. Y a pas moyen de les looter là. Non, y a pas moyen, c'est dommage. Dommage.
Bon, ça fait de l'expérience. Il y a visiblement un combo aussi qu'on peut prendre grâce à ça. Hein, regardez, il y a un combo qui est en train de s'annuler, mais je pense que ça fait plus de dégâts, ou alors peut-être qu'arriver à un certain truc, ça fait plus de dégâts. Je ne sais pas. Je vais essayer de sauvegarder, surtout. Voilà, très bien. Très bien. Bah écoutez, on va se laisser là. La prochaine fois, on avancera donc à l'âge adulte. Pour une évaluation je vois pas ce qu'on peut faire de plus là. On est bien quand même. On avancera donc à l'âge adulte au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisserai mettre votre petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à activer la cloche. Tout ça. Voilà, cette aventure est très reposante par rapport à ce qu'on a d'habitude. Attendez, je suis sûr que ça, on peut les péter là. Même pas. Ah bah vous voyez, je pensais qu'on pouvait péter. Il a une marche en dessus. Je pensais que je pouvais tout péter chez toi. C'est pas grave. Bah écoutez, on va se laisser là. A très très vite donc. Et à ciao, bye.